nos objectifs sont, est-ce que vous pouvez lire avec moi? Oui. Je peux réviser et apprendre 8 mots de vocabulaire. Je peux lire des syllabes et les coller pour lire un mot. Je peux associer un mot de vocabulaire avec sa définition. Je peux lire des mots fréquents. Je peux faire des liaisons. Je peux lire une histoire avec ses mots de vocabulaire. Fantastique, vous lisez très bien. Là, maintenant, je vais lire, d'accord? La chatte de Nadine. Ah, je vais lire, ça va. Nadine a une chatte qui s'appelle Mimine. Nadine dit toujours que c'est la plus belle chatte du monde. Mimine est blanche et brune, mais son museau est tout rose. Avec son museau, elle sent partout. Depuis quelques semaines, Mimine est transformée. Elle a beaucoup changé. Mimine a grossi. Elle ne court plus. Mimine s'enfuit chaque fois que Nadine veut la flatter. Quand Nadine s'approche, Mimine va immédiatement se cacher. Nadine est intriguée. Elle se demande ce qui se passe. Habituellement, Nadine a beaucoup de plaisir avec Mimine. Elle joue avec sa chatte tous les jours. Mimine a de plus en plus gros ventre. Elle est enceinte. Mimine a des bébés chats dans son ventre. Nadine comprend pourquoi sa chatte a changé. Mimine a donné naissance à 5 petits chatons. Ces petits chatons sont splendides. Certains petits chatons sont bruns, d'autres sont blancs. Ok, avec vos doigts. En sas, quels sont les sons? En, un, e. En sas, combien de sons? Quatre. Alors, maintenant. On s'arrête. Combien c'est là? Trois. Bravo. On s'arrête veut dire quand on a un bébé dans son ventre. Qui peut penser une phrase avec le mot enceinte? Oui. Elle est ma maman est enceinte. Excellent. Très bien. Oui. Excellent. Super. Alors, le mot défi. Habituellement. A, B, I, T, U, F, L, E, M, O. Si on a bien fait. 7. Non. 10. 12. 12. 12. 12. 13. 10. 11. Oh my god. I said 12. I said 10. Les garçons. Maintenant. A, I, U, L, E, M. 7. C'était très difficile. Habituellement, comment les choses se passent normalement? Donc, qui peut utiliser habituellement dans une phrase? Par exemple, habituellement, je vais à l'école 5 fois par semaine. Elisabeth. Très bien. Quelqu'un d'autre qui n'a pas encore essayé une phrase?
Oui. Je mange le déjeuner dans l'après-midi. Habituellement. Bravo. Alors, enfuir, faire son dessin. Avec vos doigts. Enfuir, se sauver rapidement. Et on met souvent un S apostrophe devant. Par exemple, quand l'alarme sonne pour indiquer que c'est un incendie, nous, on s'enfuit. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre idée? Oui. Le chat s'enfuit de la main. On voit très bien, le chat s'enfuit du bain. Il n'a pas d'eau. Alors, museau avec vos doigts. Museau. Museau. Museau, c'est le nez d'un animal. Qui peut penser à une phrase avec museau? Mila. Un museau. J'ai pas entendu Cosby. J'ai dit, c'est Cosby qui parle, vous dites on écoute. C'est Cosby qui parle. On écoute. C'est Cosby qui parle. On écoute. Répète. Les alligators ont des longs nez. Ont des longs museaux, n'est-ce pas? Non. Très bien. Certains. Un. Certains. Combien? Certains, ça veut dire pas tous. Par exemple, certains enfants de la troisième année sont ici. Parce que pas tout le monde est ici, n'est-ce pas? Oui. Ah. Qui doit faire une phrase avec certains? Oh, c'est tout, je vais nommer personne. Qui va aussi penser? C'est... Oui, monsieur. Certains de certains enfants de maternelle sont dehors. James. Certaines personnes aiment la pizza. Certaines personnes aiment la pizza, super, parce que c'est pas tout le monde qui aime la pizza. Merci. Alors, immédiatement. Quand c'est long et c'est la première leçon de l'année. Immédiatement, tout de suite. Si l'alarme pour l'incendie sonne, on va partir immédiatement. Qui a notre phrase pour immédiatement? Quelqu'un qui n'a pas encore posé? Oui. On va aller à l'école. Après l'école, je vais aller tout de suite à l'école. Je vais aller immédiatement. Alors, intrigué.
What? The person that got that one. Yep. No, you weren't. Okay, you said shh. Merci pour tout le monde qui a eu correct. Un, deux, trois. Un truc curieux. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. Okay. A, B, G, C.
pas dans ce mot. À cause de habituellement. Tout le monde. Habituellement. Ok. C'est pas train, c'est tram. Répète. Il n'y a pas d'étoile ici. Donc, ça ne me dit pas de lire. Bravo! Donc, mais est-ce que je n'ai rien dit pour encourager Isabella? Oui. J'ai dit des choses, n'est-ce pas? Oui. Oui. J'ai dit très bien, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit bravo. Oui. Donc, vous pouvez faire ça, n'est-ce pas? Oui. Vous n'avez pas besoin d'une étoile. D'accord? D'accord. OK. Est-ce qu'il y a des questions de comment faire ça? Vous vous rappelez? Ok, donc nous, on va vous donner des feuilles tout de suite. Combien de fois est-ce que vous allez lire ça avec votre partenaire? Deux. Non. Trois. Non. Un. Non. Quatre. Non. Jusqu'à je dise. Yeah, keep doing it until you say stop. Jusqu'à je dise arrêtez. Est-ce que vous lisez d'autres parties de la leçon? Est-ce que vous lisez d'autres parties de la leçon? Non. Non, seulement ça, jusqu'à je dise arrêtez. Et quand je dis arrêtez, vous allez montrer combien de fois vous avez lu. Commencez. Thank you.
Combien tout de suite? Arrêtez. Tout de suite. Arrêtez. Tout de suite. Combien de fois est-ce que vous avez lu? Deux et demi. Montez-moi avec vos doigts. Je vois trois fois, deux fois, deux fois. Une fois, deux fois, deux fois. Beaucoup de fois, c'est super. Est-ce que le nombre de fois que vous avez lu est important? Non. Non. Ce qui est important, c'est que vous fassiez un très bon travail. Et que vous corrigez bien votre partenaire. Alex, ça va? OK. On continue. Alors, ici, une personne fait quoi? Et puis tu trouves, n'est-ce pas? Donc, vous serez tous une personne. Lisez. Encore. Et moi, l'autre personne, qu'est-ce que je fais? Je cherche ici, n'est-ce pas? Et je dis transformer. Et puis, Alex, écoute. Et puis, vous dites que si c'est bon ou pas. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Numéro 2. Offrir. Non. Alors, transformer. Non. Alors, j'ai essayé deux fois. Est-ce que j'ai eu? Non. Non. Donc, qu'est-ce que c'est? Un museau. Qu'est-ce que vous faites si vous ne savez pas après deux fois? Tu demandes ton partenaire. Si ton partenaire ne sait pas, non plus, si vous ne pouvez pas m'aider pour ces museaux, qu'est-ce que vous faites? Oui. Tu demandes. Tu demandes, oui. Tu demandes à ton professeur ou à ta stagiaire. Ou deux personnes. Ou peut-être un autre groupe qui est à côté de vous. Et si ni toi ni ton partenaire ne sait la réponse, il faut demander, n'est-ce pas? Transformer. C'est bon? Oui. Qui évalue cette définition? Une personne. Et puis l'autre personne trouve. Et puis on. Change. Donc, la deuxième personne va lire ici et la première personne va trouver. Donc, on va changer à toutes les fois. D'accord? Oui, allez, retour. Oui. Question? Alors, commencez. Alors,
Ce qui est important, c'est que vous faites un bon travail et que vous aidez votre partenaire. Voilà, c'est pas ce qu'il fait de plus. Alors, on va réviser des mots fréquents. On, je dis on, vous dites li, on. Li. On. Li. Nadine dit toujours que c'est la plus belle chatte du monde. Mimi dit mine est blanche et brune. Mimi est blanche et brune. Mais son museau est tout rose. Mais son museau est tout rose. Avec son museau. Avec son museau. Elle sent partout. Depuis quelques semaines, Mimine est transformée. Mimine est transformée. Elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé. Mimine a grossi. Mimine a grossi. Elle ne court plus. Elle ne court plus. Mimine s'enfuit chaque fois. Mimine s'enfuit chaque fois. Que Nadine veut la flatter. Que Nadine veut la flatter. Que
Nadine veut la flatter. Quand Nadine s'approche, Mimine va immédiatement se cacher. Nadine est intriguée. Elle se demande ce qui se passe. Elle se demande ce qui se passe. Bravo. Habituellement, Nadine a beaucoup de plaisir. Avec Mimine. Elle joue avec sa chatte. Tous les jours. Mimine a de plus en plus gros ventre. Mimine a de plus en plus gros ventre. Elle est enceinte. Elle a des bébés chats. Dans son ventre. Nadine comprend. Pourquoi sa chatte a changé. Mimine a donné naissance à cinq petits chatons. Ces petits chatons sont splendides. Certains petits chatons sont bruns. D'autres sont blancs. Alors, qui peut me dire ici dans ce deuxième paragraphe l'erreur? Qui peut trouver l'erreur? Parce qu'il y a un mot ici, j'ai pas lu comme c'était écrit parce que c'était faux. Oui. Oui, ici il dit change, mais c'est pas change, c'est changer. Elle a beaucoup changé. Alors, qu'est-ce que ces nombres veulent dire? Thank you.
c'est toutes six. Alors voici la nouvelle partie. Ça, vous n'avez pas fait l'année dernière. Nadine a une chatte qui s'appelle Mimine. Nadine dit toujours que c'est la plus belle chatte du monde. Mimine est blanche et brune, mais son museau est tout rose. Avec son museau, elle sent partout. Ça parle de qui? Mimine. Ça parle de quoi? De Mimine, la chatte de Nadine. Ça parle de quoi? Le chat. Ça parle de? Le chat. Comment est son chat? Nadine décrit son chat. Bravo. Depuis quelques semaines, Mimine est transformée. Elle a beaucoup changé. Mimine a grossi. Elle ne court plus. Mimine s'enfuit chaque fois que Nadine veut la flatter. Quand Nadine s'approche, Mimine va immédiatement se cacher. Ça parle de qui? Le chat. Non. Mimine. Mimine. Ça parle de quoi? Mimine. Comment le chat a transformé. Oui. Mimine a beaucoup changé, elle est transformée. Nadine est intriguée. Elle se demande ce qui se passe. Habituellement, Nadine a beaucoup de plaisir avec Mimine. Elle joue avec sa chatte tous les jours. Ça parle de qui? Nadine est intriguée, elle veut savoir pourquoi Mimine est différente. Mimine a de plus en plus gros ventre. Elle est enceinte. Mimine a des bébés chats dans son ventre. Nadine comprend pourquoi sa chatte a changé. Ça parle de qui? Mimine et le chat. Ça parle de quoi? Les chats dans son ventre. Nadine comprend que Mimine est enceinte. Très bien. Mimine a donné naissance à 5 petits chatons. Ces petits chatons sont splendides. Certains petits chatons sont bruns, d'autres sont blancs. Ça parle de qui? Les bébés chats qu'on a parlé. Les bébés chatons. Chatons, très bien. Ça parle des chatons de Mimine. Ça parle de quoi? Le premier chaton. Mimine a les bébés chatons. Nadine décrit les chatons. Elle dit qu'ils sont différents. Petits, splendides. Certains sont bruns, d'autres sont blancs. Elle décrit les chatons. Alors, la chatte de Nadine. Vous vous rappelez de toute l'histoire? Nadine a une chatte qui s'appelle Mimine. Nadine dit toujours que c'est la plus belle chatte du monde. Mimine est blanche et brune, mais son museau est tout rose. Avec son museau, elle sent partout. Depuis quelques semaines, Mimine est transformée. Elle a beaucoup changé. Bravo, Mimine a grossi. Elle ne court plus. Mimine, chaque fois que Nadine veut la flatter, quand Nadine s'approche, Mimine va immédiatement. C'est difficile parce que c'est similaire en anglais, mais un petit peu différent. Se cacher. Nadine est intriguée. Nadine est intriguée. Elle se demande ce qui se passe. Bravo, habituellement. Nadine a beaucoup de plaisir avec Mimine. Elle joue avec sa chatte tous les jours. Mimine a
de plus en plus gros. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Tout le monde, elle est enceinte. Les garçons, tout le monde, elle est enceinte. Mimine a des chats dans son ventre. Nadine, pourquoi ça a changé? Mimine a donné naissance. Répétez, naissance. Mimine a donné à cinq petits. Ces petits sont petits sont bruns. Certains petits chatons sont blancs. D'autres sont blancs. Ça parle de qui? Mimine, n'est-ce pas? Ça parle de quoi? Que Mimine a changé parce qu'elle est enceinte. Voilà, ça parle de la chatte de Nadine et comment et pourquoi elle a changé. Vous êtes fort. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait ça pour vos profs de troisième année et pour les nouveaux profs de deuxième année. Ça va beaucoup aider. Qui a appris des nouveaux mots aujourd'hui?